En quoi l'histoire de Pourim pourrait-elle nous aider à penser le monde après le 7 octobre ? Depuis le 7 octobre, pour beaucoup d'entre nous, juifs d'Israël et de diaspora, Dieu semble obstinément silencieux, nous laissant seuls à devoir agir dans le monde. Dans ce contexte douloureux, d'un absurde sans légèreté, Pourim vient nous rappeler un enseignement profond, une sagesse lumineuse que son côté carnavalesque fait à peine semblant de masquer. Et cet enseignement, le voici. Derrière les déguisements du pshat, le sens littéral de lecture, Pourim parle du rôle qui incombe à l'homme dans un monde où Dieu semble absent. Car par contraste avec les miracles de l'huile à Hanouka, à la traversée de la mer à Pessah ou à la révélation tonitruante au mont Sinaï à Shavuot, à Pourim, non seulement le Dieu d'Israël n'agit pas dans l'histoire, il n'y est même pas mentionné. C'est peut-être ce qui nous rend Pourim si proche. Son décor ressemble plus que tout autre à nos vies quotidiennes, des vies dans lesquelles Dieu semble, comme depuis le 7 octobre, obstinément absent, comme désintéressé du sort des hommes. Dans la tradition juive, invisibilité ne vaut pas absence. Au contraire, le silence de Dieu est un appel à l'action de l'homme. Or, comment avoir le courage d'agir lorsque Dieu semble absent du monde ? Il faut la foi, ce pari sans cesse renouvelé que Dieu brille dans notre réalité, même invisible, même caché, nistar, derrière les nuages de son absence. Et que l'action humaine ne sera par conséquent pas seule, mais soutenue. C'est ce que semble dire Mordechai à Esther, au pic dramatique de l'histoire de Pourim, au moment où il la presse de passer à l'action. Le soulagement et la délivrance viendront aux Juifs d'un autre endroit. Et qui sait, peut-être es-tu arrivé à la royauté justement pour un tel moment. Mordechai parle comme s'il savait qu'un heureux dénouement était proche. Il fait le choix de croire pour inciter Esther, elle aussi, à oser. Croire, Emouna en hébreu, parle de faire confiance. Or, faire confiance n'est autre que le choix de confier nos vies à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Certes, quelque chose d'invisible, d'impalpable. Cette puissance dont on n'a pas de preuve, mais que l'on sait au fond, bien plus réelle que le théâtre du monde. C'est cela, la Emouna. Croire dans une perspective juive vient ainsi à poser un acte, celui de choisir de se confier à Dieu, tout en prenant en main notre destinée. Avoir le courage d'agir en se sentant soutenu même par quelque chose d'invisible. Les récits de survivants des combats du 7 octobre témoignent d'une telle dynamique, et ce n'est pas étonnant. En situation de guerre, surtout lorsqu'il s'agit de sauver les siens, la Emouna permet des actes de courage incroyables. Tel était le geste de Gandhi, qui s'obstinait à croire qu'il pourrait libérer son peuple alors que la réalité s'acharnait à lui montrer le contraire. Tel était celui de Nelson Mandela et de Nathan Sharansky, qui refusèrent pendant des années de laisser tomber l'espoir d'être un jour libres avec leur peuple. Et tel est le geste de la reine Esther, qui pour sauver les siens est prête à risquer la mort en prenant la parole là où elle n'y est pas invitée. Chez tous les héros de l'histoire humaine, le mouvement est le même. Ce n'est pas parce qu'ils avaient des preuves qu'ils ont cru. C'est parce qu'ils ont cru, osé, et parce qu'ils étaient prêts à en payer le prix, que le courage radical dont ils ont fait preuve leur a permis littéralement de renverser la réalité et de faire advenir un monde meilleur. Dans l'histoire de Pourim, l'absence manifeste de Dieu n'est autre qu'un appel à l'action humaine. Cet appel aujourd'hui s'adresse à chacun d'entre nous. Cette année, à Pourim, à nous de jouer.